Salut, c'est Zidimitlan Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. On arrive bientôt sur la fin de notre passage en revue des partis importants de la vie politique française actuelle, et c'est le moment de parler du parti au pouvoir. Enfin, du parti du mec qui est au pouvoir, La République En Marche. Depuis le début de la série, on essaye de faire du plus simple au plus compliqué à classer politiquement. Et si cette vidéo arrive quasiment à la fin de la série, c'est parce que LREM, c'est un cas très particulier. On va avoir besoin de pas mal de notions, de partis et d'idéologies développées dans les précédentes vidéos d'Esprit de Parti, j'espère que vous avez révisé. Un parti, normalement, c'est des gens qui se réunissent pour défendre des idées communes. Mais en 2016, quand le parti est fondé par Emmanuel Macron, Macron n'a annoncé aucun programme et ne dit rien des idées qu'il veut défendre à part quelques vagues slogans se revendiquant du progrès et de la réforme. Lors de sa fondation, ce qui s'appelait alors En Marche était le seul parti dont le nom ne comportait aucun élément de vocabulaire politique. Le marchisme, ça n'existe pas, et ça ne signifie pas que le parti défend un modèle de société basé sur la marche ou la randonnée. Oui, on comprend que ça veut dire avancer, ne pas rester immobile, mais enfin, ça ne dit rien de la direction dans laquelle on nous invite à marcher. Ce n'est pas un nom de parti, c'est un slogan publicitaire. Et bien sûr, il n'a échappé à personne que c'était surtout un moyen, avec les initiales E et M, de faire comprendre que le projet du parti, c'est uniquement de regrouper des soutiens à Emmanuel Macron. Des partis dont l'identité se résume à soutenir une personne particulière, ça peut faire penser à du bonapartisme. Et on va voir qu'il y a effectivement des aspects bonapartistes à LREM. Mais le bonapartisme s'accompagne quand même d'un discours idéologique, qui s'incarne dans un personnage. Les partis de type LREM, c'est un phénomène plutôt récent en Europe et il y a peu d'éléments de comparaison. Je pense qu'on a plus de chances de comprendre le phénomène LREM, en tout cas à son origine, en s'intéressant à ce qu'il se passe dans pas mal de pays pauvres et anciennes colonies, en particulier en Afrique subsaharienne. Dans beaucoup de ces pays, la dépolitisation atteint des sommets. Les principaux partis ne se regroupent ni sur une idéologie, ni sur un programme, il s'agit simplement des supporters de tel ou tel leader qui ne promet rien de plus que sa personnalité qui en ferait un meilleur chef. Bien souvent, les membres du parti sont des soutiens directement achetés par des distributions de cadeaux qui espèrent encore plus de cadeaux si leur poulain préféré arrive au pouvoir. Comme dans un régime féodal, le seul changement envisagé, c'est le nom et la personnalité du type qui dirige. Aucun parti influent ne propose de changer les règles, de remettre en cause le fait même qu'un type dirige tout. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays-là, ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, il y avait des partis socialistes, communistes, libéraux, conservateurs, réactionnaires, etc. Mais c'est à force que tous les partis au pouvoir, quelle que soit leur origine idéologique, finissent par faire exactement la même politique, que tous ces mots ont perdu de leur sens. Ce phénomène a été particulièrement rapide et intense dans ces pays, en grande partie à cause de la corruption généralisée. Une corruption encouragée et entretenue par les pays anciens colonisateurs pour garder le contrôle sur le pays avec des pantins à leur service. Et si la corruption ne suffit pas, la menace et le soutien au coup d'État a fini de faire rentrer dans le rang les derniers pays et leaders récalcitrants qui osaient rêver d'autre chose que du statu quo. Bien sûr, on peut aussi invoquer comme explication un manque de culture politique et le déficit d'accès à l'éducation dû en grande partie à la pauvreté. Une pauvreté évidemment entretenue elle aussi par la corruption. Toujours est-il qu'on serait bien inspiré de ne pas trop se vanter de notre culture politique par rapport à celle des pays africains, parce que visiblement, nous aussi, on en est rendu au même point, et ça sans pouvoir invoquer la colonisation ou la pauvreté pour l'expliquer. Dans l'épisode sur les centristes, on a vu comment les démocrates chrétiens ont été dominés par les libéraux au sein de l'UDF, car le parti s'est constitué pour soutenir le libéral Giscard d'Estaing au pouvoir en 78. Et dans les épisodes sur le PS et sur LR, on a vu comment les sociodémocrates et les gaullistes se sont eux aussi au fur et à mesure convertis au libéralisme. À partir de la fin des années 80, les trois principaux partis qui alternaient au pouvoir, le PS, le RPR et l'UDF, défendaient donc des variantes du libéralisme, une idéologie qui a en plus comme caractéristique de nier être une idéologie et se présenter comme du simple réalisme ou pragmatisme. À force d'alterner au pouvoir et d'avoir de nombreux élus, avec le cumul des mandats en plus, ce sont aussi des partis remplis de carriéristes, qui n'avaient pas beaucoup d'autres projets politiques que de garder leur poste. De plus, la 5ème République aggrave encore les choses avec ses élections uninominales majoritaires. On vote pour élire une seule personne à un poste, et donc les petits partis n'ont pratiquement pas de représentation. C'est très difficile de faire émerger de nouvelles forces politiques ayant un projet véritablement différent.
et avec le peu de place qu'elle apporte au Parlement, largement soumis au président, la 5ème République rend difficile pour un parti de s'opposer à son chef et garder une culture du débat, surtout une fois qu'il est président. Et même avant, les partis ont de toute façon tendance à imiter dans leur organisation interne le fonctionnement des institutions sous lesquelles ils se constituent. Avec tout ça, des années 80 aux années 2000, la dépolitisation est devenue de plus en plus forte, et beaucoup de gens se sont habitués à penser que les élections ne servent pas à changer d'orientation politique, mais seulement à changer le personnel politique. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, la dépolitisation en France pousse à l'apparition de partis de supporters de tel ou tel leader qui ne se définissent plus par une idéologie, tout comme en Afrique. Depuis les années 2000, les nouvelles générations se sont petit à petit repolitisées. On voit un peu plus de diversité idéologique. Et sans doute que ce consensus mou autour d'un libéralisme se présentant comme du pragmatisme finira par disparaître, surtout si on finit par changer de constitution. Mais pour le moment, les jeunes générations votent peu, et Macron a su réunir l'électorat des vieux étant resté dans cette vision dépolitisée de la politique, et se faire élire quasiment sur l'unique promesse de remplacer les vieux en place par des petits nouveaux dynamiques, à commencer par lui bien sûr. Ironique, n'est-ce pas? Un programme de remplacement des vieux par des jeunes, c'est visiblement surtout aux vieux que ça plaît. Dans ces conditions, est-ce qu'on doit dire que LREM est un parti sans idéologie? Bah, pas vraiment. En fait, dans ce genre de parti, entièrement consacré à soutenir l'arrivée ou le maintien au pouvoir d'une personne, le parti ne pourra que relayer fidèlement l'idéologie exprimée par la personne en question. Mais du coup, ça peut évoluer très vite. Un véritable parti plus ou moins démocratique, avec des véritables rapports de force internes, des traditions, des courants, ça a une certaine inertie. Pour que son idéologie évolue, ça prend le temps des évolutions sociologiques. Au contraire, une personne seule peut changer beaucoup plus rapidement d'idéologie. C'est pour ça que dans les partis classiques, les personnes avec des convictions changeantes vont souvent changer de parti, faute de pouvoir facilement entraîner leur parti actuel dans leur revirement à eux tout seuls. Mais dans un parti de supporters, comme LREM, c'est le parti qui doit s'adapter à chaque revirement de son leader, tenter tant bien que mal de justifier tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, même si ça implique de contredire ce qu'on défendait la veille, et au besoin de virer les gens qui ne sont pas contents, ou simplement les empêcher d'avoir la moindre influence sur la ligne du parti et attendre qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes. À moins qu'un autre leader arrive à émerger et à voler le parti à son leader d'origine, le parti n'a pas le choix, il n'existe que dans le sillon de son chef. Et des revirements chez Macron, il y en a déjà eu beaucoup dans sa courte carrière politique, au moins pour ce qui est de la communication. À la fin des années 90, il est proche du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement, un mouvement ambigu sur les clivages gauche-droite et aux tendances bonapartistes, mais à l'époque clairement anti-libéral. Il rejoint pourtant ensuite la droite libérale du PS de 2006 à 2009. Il explique plus tard que sur le social, son inspiration lui vient de la deuxième gauche rocardienne du PS, mais qu'elle a un rapport complexe à l'État. C'est son rapport plus assumé à l'État qui l'aurait intéressé chez Chevènement. Comme quoi son intérêt pour le bonapartisme, qui ressurgira plus tard, a des racines anciennes. En dehors de ça, pour lui qui a été au lycée catholique et rappelle régulièrement sa foi en Dieu, son parcours politique à partir de son engagement au PS est effectivement assez classique des démocrates chrétiens dans la lignée de Michel Rocard, qu'on a appelé la deuxième gauche, celle qui a initié au PS la ligne dite social-libérale. Il faut parler un peu de ce mot que je n'ai encore utilisé dans aucune vidéo. À l'origine, le social-libéralisme est censé être la branche la plus à gauche du libéralisme, avec pour référence des gens comme John Stuart Mill, John Maynard Keynes ou John Rawls, beaucoup de John. Des auteurs qui tentaient de concilier l'économie de marché du libéralisme avec les objectifs d'égalité réelle et de justice du socialisme. Ils soutenaient une politique active de correction des inégalités, de redistribution des richesses, de services publics, etc. Mais ce projet, c'est précisément ce qu'en Europe continentale, on appelle la social-démocratie. D'ailleurs, les sociodémocrates européens comptent ces mêmes auteurs dans leurs références fondamentales, même si eux faisaient le chemin inverse, depuis le socialisme, vers une acceptation d'une certaine dose de libéralisme. John Rawls, dans la préface de l'édition française de son livre Théorie de la justice, se disait lui-même social-démocrate, pour être compris de ses lecteurs français. En réalité, il peut même être vu comme bien plus à gauche que l'idée qu'on se fait habituellement d'un social-démocrate. John Rawls allait jusqu'à vouloir transformer toutes les entreprises en coopératives gérées par les travailleurs, ce qui ressemble à l'anarchisme mutualiste de Proudhon, ou au moins à ce qu'on appelle aujourd'hui socialisme libertaire ou socialisme autogestionnaire. Bref, si c'était pour désigner la pensée de ces auteurs-là qu'on utilisait le terme social-libéral, alors ce serait un mot inutile en Europe, puisque nous avons social-démocratie, ou même socialisme autogestionnaire pour les plus à gauche. Le problème, c'est que tout comme le mot social-démocrate d'ailleurs, on utilise aujourd'hui le terme social-libéral, repris des anglo-saxons, pour désigner exactement l'inverse du social-libéralisme anglo-saxon ou de la social-démocratie européenne. Un refus absolu de la régulation économique, de la redistribution des richesses, des services publics, qu'on devrait totalement détruire pour revenir à un libre marché absolu fantasmé. Et ça, ce n'est pas du social-libéralisme, c'est juste du libéralisme tout court.
Ce n'est pas parce que les gens qui le défendent sont originaires de partis se réclamant de la gauche et de la social-démocratie qu'on a besoin d'un nouveau mot pour une ancienne idéologie. On pourra aussi trouver des justifications du terme social-libéral pour désigner des gens qui sont pour le libre marché en économie, mais qui sont ouverts à l'immigration, à la lutte contre le racisme et le sexisme, aux droits LGBTQIA. Sauf que là encore, ça n'a pas de sens. La plupart des libéraux classiques sont tout à fait ouverts à ces questions, en tout cas tant qu'il s'agit d'obtenir l'égalité des droits reconnus par la loi. Si beaucoup de gens identifiés comme libéraux en Europe s'opposent à ces progrès, c'est parce que les partis purement libéraux sont rares et peu influents, et ce sont plutôt des conservateurs ou des bonapartistes qui se sont plus ou moins convertis au libéralisme strictement sur le plan économique, et souvent provisoirement, comme on le voit avec le retour sporadique du discours antilibéral à LR. Ce qui est vrai par contre, c'est que bien souvent au PS, les libéraux sont issus d'une deuxième gauche autogestionnaire venue du PSU, issue de la branche la plus à gauche de la démocratie chrétienne, qui petit à petit ont transformé leur idéal d'entreprise autogérée en une utopie libérale où tout le monde serait des auto-entrepreneurs et petits actionnaires, des nouveaux mots pour le vieux rêve libéral du 19e siècle d'une société de petits commerçants en concurrence. Macron, lui, est arrivé dans une deuxième gauche déjà totalement libérale, sans avoir à passer par l'étape autogestionnaire. Ça aurait sans doute été compliqué de passer par là pour ce grand bourgeois, énarque, haut fonctionnaire, puis banquier chez Rothschild et millionnaire, qui a sans doute une idée assez floue de ce qu'est une usine, un ouvrier ou un pauvre. Macron s'est donc fondu naturellement dans la droite libérale du PS, dans la ligne d'un Strauss-Kahn et sur le modèle d'un Tony Blair. L'État protecteur et la redistribution des richesses, c'est fini. Maintenant, il faut encourager les Français à se lancer à fond dans la libre concurrence et le chacun pour soi. C'est ce qu'il appelle le progrès. Un progrès qui bizarrement consiste à défaire tout ce que les sociodémocrates avaient fait auparavant au nom de ce même progrès, un grand bond en avant vers le passé. Cependant, comme un vrai libéral classique, il est alors tout à fait d'accord pour l'accueil des migrants, contre la stigmatisation des musulmans et le racisme, pour le mariage homosexuel, pour la PMA, et c'est sans doute ce qui le pousse à s'opposer à la droite et se croire de gauche. L'ascension de Macron est fulgurante. En 2007, il participe avec d'autres grands bourgeois prétendument de gauche à la fondation du think tank et groupe d'influence, les GRAC. La première intervention publique de ce groupe consiste à pousser la candidate du PS Ségolène Royal à s'allier avec celui du Modem François Bayrou dès le premier tour, mais elle refuse. Des discussions ont cependant eu lieu entre les deux tours, et il est probable que Bayrou aurait eu une place au gouvernement si Royal avait été élu. Mais c'est Sarkozy qui gagne, et le groupe fait alors moins parler de lui. Pourtant, il existe toujours et continue de plaider pour une conversion totale du PS à ce soi-disant social-libéralisme. Les GRAC attendront 2017 pour que Macron réalise leur vœu par lui-même en s'alliant avec Bayrou. C'est sur le conseil d'un autre futur membre des GRAC, Jean-Pierre Jouyet, que Macron avait rencontré Hollande en 2006 et en devient un proche conseiller en 2010. En 2012, il arrive donc naturellement au secrétariat général de l'Élysée sur la recommandation d'une demi-douzaine de patrons prétendument de gauche. Si certaines de ses propositions très libérales sont reprises sous le gouvernement Hérault, comme le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ou CICE, la plupart sont retoquées par Hollande, qui à ce moment-là craint encore de braquer les Verts et la gauche du PS. Mais c'est bien sûr, une fois nommé ministre de l'économie en 2014, dans le deuxième gouvernement Valls, qu'il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les contre-réformes libérales, avec la loi Macron, puis la loi dite El Khomri, qu'il a largement contribué à écrire. Les deux lois se passeront de débat au Parlement par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, qui fait qu'une loi est acceptée d'office et sans modification possible si le Parlement ne fait pas une motion de censure pour renverser le gouvernement. On sent déjà tout le respect de Macron pour le débat parlementaire. Macron est donc resté plutôt constant sur le libéralisme, même si on peut facilement trouver des déclarations contradictoires sur les 35 heures, les retraites, les indemnisations chômage, etc. On pourra mettre ça sur le compte de la nécessité de la solidarité gouvernementale quand il était au gouvernement Valls, puis du besoin de garder son électorat venu de la gauche pendant la campagne. Ceci dit, l'image politique de Macron ne se construit pas que sur le libéralisme économique. On aurait tendance à l'oublier aujourd'hui, mais dans le gouvernement Valls, il s'est opposé à la loi sur la déchéance de nationalité voulue par Hollande, et il a plaidé pour un plus grand accueil des migrants syriens sur le modèle d'Angela Merkel. Jusqu'au début de son mandat, on aurait donc pu croire qu'il allait être moins à droite sur l'immigration et le racisme que le gouvernement Valls. Bon, on avait bien eu un indice du contraire pendant la campagne de 2017, avec sa déclaration sur le fait que dans la colonisation, il y aurait eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Des propos corrigés dans une interview à une chaîne algérienne, où il dit qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation et que « la colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité ». Pour se rattraper, il a donc été bien plus loin que tout dirigeant français, à deux doigts de dire que la France est coupable de crimes contre l'humanité.
Ceci dit, il est probable que son dérapage initial traduise quelque chose de plus profond qu'une tentative de séduire la droite avortée. Rappelons que les démocrates chrétiens du MRP, pendant la 4ème République, tout charitables qu'ils aient voulu paraître envers les étrangers, défendaient encore le maintien du système colonial. Il y a une certaine inspiration chrétienne dans l'idée qu'on doit civiliser les sauvages, tout comme on les évangélise. De la même manière, lorsqu'il regrette pendant la campagne l'humiliation qu'auraient subi les opposants au mariage pour tous, on peut supposer que c'est le chrétien qui parle. Mais il se rattrape rapidement en se déclarant non seulement pour le mariage pour tous, mais aussi pour la PMA. Je sais, c'est pas souvent sur cette chaîne qu'on s'attarde sur les petites phrases, mais je rappelle que jusqu'en mars 2017, à 2 mois du premier tour et alors qu'il est déjà passé en tête dans les sondages, il n'a pas présenté de programme. Il fallait donc non seulement que les électoristes se contentent des petites phrases, slogans et autres coups d'éclat, mais même les militantes d'En Marche devaient justifier leur soutien au candidat sur du vide, et s'expliquer à chaque fois que le candidat disait une chose et son contraire. Avant son programme, il avait bien publié son livre Révolution, qui promettait une grande transformation comme ce pays n'en a pas connu depuis l'invention de l'imprimerie et la Renaissance. Mais on avait bien du mal à y trouver la description d'un tel changement, à part quelques traits classiques et générales direction libérale, déjà prônés par les précédents gouvernements. Une fois son programme publié, on y trouvait alors le fameux « en même temps », cherchant à prouver qu'il était à la fois de gauche et de droite, et qui ressemblait finalement beaucoup au programme de Hollande en 2012. Mais on a bien compris que le programme n'intéressait personne, en voyant que sa publication n'a causé aucun frémissement des sondages, et le parti En Marche n'a pas eu à justifier les contradictions avec des déclarations précédentes de son candidat. Le principal revirement qui va radicalement faire basculer le discours de Macron, c'est le résultat du premier tour. Alors qu'il voulait réunir la gauche et la droite, il constate qu'il n'y a plus rien à prendre à gauche. Hamon a fait 6%, les anciens électeurs PS se partageant entre Mélenchon et Macron. Le réservoir de voix est alors à LR, chez les électeurs de Fillon. Dès la campagne du deuxième tour, et visiblement pour tout le reste du quinquennat, l'objectif de Macron sera alors de séduire la droite, considérant que ses électeurs de gauche lui sont définitivement acquis. Le plan marketing est caricatural. Puisqu'il faut séduire les électoristes des Républicains, En Marche est renommée la République En Marche. S'il y avait eu plus d'électeuristes à prendre au PS, nul doute qu'il se serait appelé le Social En Marche. Très vite, dans ce quinquennat, la quasi-totalité des mesures vaguement de gauche ont été oubliées à part la PMA. Et au contraire, Macron est parti dans une course effrénée pour dépasser LR dans les mesures sécuritaires, répressives, islamophobes, anti-immigration, et même à reprendre le discours du RN. Est-ce que ça correspond à un revirement idéologique de Macron ou une simple tactique électorale? Difficile à dire sans être dans sa tête. Pour les mesures sécuritaires, il est aussi possible qu'il cède tout au syndicat de policiers simplement parce qu'il a pris peur lors du mouvement des Gilets jaunes et que la police était son dernier rempart. On s'est aussi étonné du fait que Macron parle de présidence jupitérienne et de nostalgie du roi en y voyant un basculement bonapartiste, réactionnaire ou même fasciste. Pour le coup, c'est allé un peu vite. Rappelons que les libéraux n'ont jamais été démocrates. Au 19e siècle, ils plaidaient pour une monarchie parlementaire avec suffrage censitaire, où seuls les riches pouvaient voter. S'ils se sont résignés à la République, c'est par la concession qu'ils ont obtenue des Républicains en 1848 d'avoir un président puissant élu par plébiscite. Et pour des gens qui rêvent de n'être élus que par les riches, il n'y a pas à s'étonner qu'ils ne s'inquiètent pas de l'abstention des pauvres. Mais c'est vrai que, contrairement aux bonapartistes, les libéraux et les démocrates chrétiens tiennent quand même normalement au débat parlementaire, qui est totalement absent de ce quinquennat, sans même avoir besoin de recourir au 49-3, puisque le président a déjà une majorité écrasante de bons petits soldats soumis à l'Assemblée. On pourrait avoir ici une bonne illustration de comment le discours centriste disant qu'on est entre la droite et la gauche peut facilement rejoindre le discours bonapartiste disant qu'on est au-dessus de la droite et de la gauche, dans un pont dangereux entre le centre-droit et l'extrême droite. Mais je ne suis même pas sûr de pouvoir dire que Macron lui-même serait dans cette idéologie-là. Il a surtout l'air de voir la politique comme il voit l'économie, une concurrence sur le libre marché des politiciens, où le plus fort montre sa supériorité et sa réussite en obtenant le pouvoir et en le gardant. Les discours et les mesures politiques là-dedans, est-ce que c'est vraiment pour lui autre chose qu'un plan marketing? En 2004 déjà, l'homme d'affaires Alain Minc reçoit dans son bureau le nouvel inspecteur des finances tout juste sorti de l'ENA, Emmanuel Macron, et lui demande comme à son habitude, « Qu'est-ce que vous serez dans 30 ans ?» Macron répond, « Je serai président de la République. » Il n'aura finalement mis que 13 ans. Il doit être très très fier. Est-ce que l'avenir politique du pays compte vraiment à côté de ça? Et alors LREM, comment se débrouille-t-il pour trouver une identité politique? Compliqué de continuer à s'identifier comme de droite et de gauche après tout ça. Dans les sondages, les Français classent déjà majoritairement Macron et son parti à droite depuis longtemps. Les électeurs de gauche le boudent et hésitent même à voter pour lui pour faire barrage à Le Pen, ce qui les scandalise. Comment vous osez ne pas vouloir voter pour ceux qui se sont foutus de vous pour piétiner vos idées? Bon, après, les électeurs de gauche, ça pèse pas lourd en ce moment, donc je ne crois pas que ça les inquiète tant que ça.
On peut tout de même plus ou moins classer idéologiquement LREM comme libéral, puisque c'est la principale ligne qu'a suivi Macron. Et au Parlement européen d'ailleurs, LREM a choisi de rejoindre le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, ou ALDE. Mais il a demandé pour ça que le groupe se renomme Renew Europe, parce qu'il ne voulait pas apparaître comme libéral. Voilà maintenant qu'on exporte notre dépolitisation en Europe en forçant des gens qui étaient plus honnêtes que les Français jusque-là à cacher eux aussi leur idéologie sous un slogan. Finalement, à force d'être une coquille vide idéologiquement, LREM ne mobilise plus. Interdit d'avoir la moindre vie interne normale d'un parti, avec des courants, des textes d'orientation, des élections de dirigeants, le parti s'étiole. D'après le Canard Enchaîné, sur les 400 000 inscrits sur le site du parti en 2017, il n'en restait plus que 20 000 membres en 2021. Il n'y a plus que les quelques élus et employés d'élus qui n'ont qu'un plan de carrière totalement dépendant du succès de Macron et acceptent pour ça de n'avoir aucune cohérence idéologique. Ceux qui tiennent à défendre un projet idéologique un peu plus construit, tout en restant fidèles à Macron, ont préféré créer leur parti satellite ou sous-parti. À la gauche de LREM, il y a d'abord eu quelques défections avec le parti Les Nouveaux Démocrates, qui pour le coup mériterait assez bien l'étiquette de sociolibéraux ou sociodémocrates. En rupture avec Macron, ils se sont affiliés pour leur financement à Europe Écologie Les Verts. D'autres, un peu dans la même mouvance mais ne voulant pas rompre avec Macron, ont créé le parti En Commun, qui souhaite incarner une aile gauche du macronisme. Il plaide pour orienter LREM vers des alliances à sa gauche plutôt qu'à sa droite, par exemple avec le PS ou EELV, mais peine visiblement à se faire entendre. Encore un peu plus intégrés dans LREM, les macronistes venus du PS avaient depuis 2017 leur propre sous-parti, Territoire de Progrès, se revendiquant de la social-démocratie mais étant en réalité plutôt simplement républicain ou libéral. Il compte plusieurs ministres comme Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Enfin, il y a bien sûr le Modem, qui reste clairement structuré de manière indépendante à LREM parce qu'il existait bien avant lui. Depuis le glissement continu d'LREM vers la droite, on peut le considérer lui aussi à gauche de la majorité macroniste, avec son positionnement clairement démocrate-chrétien. À droite d'LREM, il n'y a eu aucune défection, ce qui montre bien qu'LREM satisfait bien plus sa droite que sa gauche, avec sa stratégie d'occupation de quasiment tout l'espace politique qui était celui d'LR auparavant. En mélangeant de la démocratie chrétienne, du libéralisme, du conservatisme, du bonapartisme et même une pointe de réaction avec Darmanin, LREM a complètement dépecé LR de ses différents courants les moins extrêmes, et LR semble devoir bientôt se réduire à un satellite réactionnaire du RN ou courant après Zemmour. Dans la majorité macroniste, il y a d'abord eu le parti Alliance Centriste, venu de l'UDI, mais dont la grande majorité des élus ont préféré quitter le parti pour rester à l'UDI et qui a quasiment disparu en se fondant dans LREM. Il était libéral et démocrate chrétien. Un certain nombre d'élus venus de LR ont soutenu Macron et ont été élus avec le soutien d'LREM sans en être membre. Édouard Philippe, premier ministre de Macron de 2017 à 2020, n'a jamais adhéré à LREM. Il a finalement créé son propre parti, Horizon, en 2021, qui veut représenter l'aile droite de la majorité sur une ligne revendiquée libérale, républicaine et démocrate chrétienne, mais dans une version clairement plus conservatrice, voire bonapartiste, que les partis que j'ai cités précédemment. Ils ne viennent pas de LR pour rien. Enfin, il y a un ensemble de députés venus de LR et de l'UDI qui ont souhaité soutenir le gouvernement de Macron depuis 2017 et se sont regroupés sous le nom de Agir, la droite constructive. Ils n'avaient pas forcément l'intention de créer un parti au départ, mais ont fini par le faire une fois exclus de leur parti respectif. Ils représentent tout le spectre idéologique que constituaient auparavant les alliances UDF-RPR, allant de la démocratie chrétienne au bonapartisme en passant par le républicanisme, le libéralisme et le conservatisme, et même quelques éléments réactionnaires. François Bayrou plaide depuis le début du quinquennat pour un rassemblement de toutes les composantes de la majorité dans un grand parti, à l'image de ce qu'avait été la constitution de l'UDF pour soutenir le président Giscard d'Estaing en 1978. Constatant l'éparpillement de son fan club et qu'LREM en lui-même devenait un astre mort, Macron a fini par donner raison à Bayrou et a donc impulsé la création d'un embryon de rassemblement du Modem, En Commun, Territoire de Progrès, Horizon et Agir dans la coalition Ensemble Citoyens. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore réellement un parti, chacune de ces structures restant indépendante. Il s'agit surtout d'une alliance électorale pour soutenir Macron en 2022 et tenter d'avoir des candidatures communes pour les législatives. Le fan club de Macron risque d'être un peu plus difficile à gérer maintenant qu'il doit cohabiter avec des gens qui se sont rappelés qu'avoir une idéologie en politique, finalement, c'est pas si mal. Voilà, c'était l'épisode 11 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages. Évidemment, abonnez-vous et activez la cloche si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme moi, on vous dit à bientôt.